Et bonjour à toutes, c'est Lego World Tour 68, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je présente épisode 2, le déballage de récompenses d'un concours BPZC en particulier. Mecha Wars, la guerre des robots. Le thème c'était tu pouvais inventer n'importe quel monde avec n'importe quel robot. Et donc j'ai fini deuxième, dixième je veux dire. Et donc on va faire un point rapide sur ma dernière vidéo. C'est avec le Jet Panzer que j'ai reçu, que je présenterai dans une autre vidéo, ou bien dans une vidéo mock test. Voilà. Donc là on va passer directement à l'ouverture. C'est bien simple, c'est une petite voilà. Voilà. Donc on a déjà tout ça. Voilà ça. Puis après, on va continuer. Oh non, c'est pas mal, ça a l'air pas mal. Voilà. Mais ça ne pas du tout à ça. Oh bah on a les Russes. Oh mais c'est parfait. Oh c'est parfait. Je sais pas quoi leur dire. Vraiment. Oh parfait. Oh le vous savez pas comment j'attendais ça. Vous savez pas comment j'attendais ça. Ça a été incroyable. C'est des stickers. On verra. Je vous montrerai ce que j'aurais fait de tout ça. Incroyable. C'est très très sympa de la part. En plus des casques incroyables. Je déballe tout là, maintenant. Hein, et après je vous montre un point rapide. Voilà tout ça. Et ça. Et encore c'est pas fini. Ouh les AK-47, c'est magnifique. Et bien sûr en dernier, ceci, une petite mitraillette. Mitrailleuse pour être plus précis. Voilà. Maintenant on va passer au déballage. Tu vas monter la mitrailleuse. Ah oui, donc j'ai déjà vous donné montrer mes nouveaux custom de Russe. Je ne sais pas si ça vous plaira. Donc c'est déjà lui que je trouve très bien. C'est et je vous le montrerai à la fin. Non mais je vous montrerai maintenant. Voilà, donc c'est rien de plus simple. Je l'ai fait en tenue d'hiver. Voilà. Bien sûr celui-là que j'ai reçu dans le Sherman en plus. Voilà. Cette magnifique mitraillette. Je félicite tous les participants du concours. C'était vraiment très beau ce qu'ils ont fait. Ça m'a carrément impressionné. C'est vraiment très bien fait. Je dis rien de plus. Incroyable. En tout cas, c'est très gentil de leur part d'avoir fait ça. Si je me rappelle bien, on fait ça comme ça. Wow, ça va être dur. Hein. Comme ceci, comme ça, je crois. Donc ça va être dur. Voilà, rien de plus simple, hein, c'est la base avec le trépied. Et ah bah j'arrive pas encore. Je vais déjà mettre en place tout le canon. Et je ferai je crois que je vais la continuer plus tard. Hein. Donc déjà déballer tout ça. Très bien fait, c'est parfait. C'est très gentil de leur part. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires pour dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Pour ça, je pourrais corriger tout ça et que la chaîne soit un peu mieux. Voilà. Donc, ça donne ça. Au final, j'ai essayé.
pas mal, mais ça rentre pas encore. Ça va être dur là. Donc on a dans des packs, il y a des chapkas, des casques russes, etc. Passe à tout ça, je vais vous les remontrer. Voilà. Ça. Ah ça, je l'ai fait, bon, c'est bien, bien fait. Je vais faire le déballage des AK-40 peut-être. Approcher, voilà. Alors, voilà. Allez, les AK-47. Magnifique, très bien fait. Petit AK. Oh, on a carrément un trépied très bien fait. Oh, parfait. On va le mettre ici. Bon. Ouais, bon, ah, je crois que c'est là. Ah, oh non, bon, pas grave. Donc, on va faire le tour des armes. Voilà, parfait. Rien à dire. Ça, c'est ma préférée, je peux vous mentir. La K47, et bien sûr, la K47. Voilà. Bon, K47 c'est fait. Maintenant, on va passer au déballage des chapkas et casques. Oh, magnifique, ça fond. Moi qui voulais faire une commande pour améliorer mes troupes russes, ça va, c'est fait. Hein. Rien à dire. Voilà. Petite présentation du sticker. Après, là, je vais m'empresser de mettre tout mes. Ah, par contre, ça, c'est un casque non imprimé. Voilà. C'est pas mal. Et voici son modèle imprimé. Voilà, parfait. La chapka, bien sûr, avec le modèle non imprimé. Et un modèle imprimé, bien sûr, c'est là que je préfère, hein, c'est ce que j'ai préféré. Encore, on a le modèle gris. Modèle gris et le modèle gris sans imprimerie. Voilà. Donc après, on a tout le casque qui vont avec, c'est magnifique. Voilà. Là, je crois qu'on en a au moins 3 comme ça. Ouais, on en a encore. Ah, c'est pas les mêmes en fait, mais c'est trompé. Un superbe casque russe, vraiment très bien fait. Imprimé aussi. Imprimé, et voilà. On continue avec les chapeaux vietnamiens. Juste essayer tout ça. Apparemment, ça ne veut pas. En tout cas, ça ressemble à quoi? Donc, ça ressemble à ça au final. Superbe commande. Ah, c'est vraiment bien fait. Hein, du chapeau. Voilà. Ah, j'ai aussi oublié un calot. C'est tombé. Désolé, ça s'est reproduit. Voici. Imprimé, bien sûr. C'est vraiment bien fait. Je dis rien, c'est parfait. On va remettre notre petit cobaye du côté. Maintenant, on va attaquer au dernier plan. Waouh, on a carrément tout ce qui est pour le soldat là. C'est parfait. On commence avec le même fusil que j'ai dans la main, mais en texture avec le bois, je sais pas si vous voyez tout ça avec la texture, pas. On dirait que c'est utilisé, ça a été mâchouillé, mais en fait c'est fait exprès pour ça. Voilà, donc là on a le fusil que j'utilise pour mon petit soldat que je viens de vous montrer avant, et c'est ce fusil que je viens
que je viens de déballer. Voilà. C'est déjà ça. Il y a le fusil de côté. Après, on peut continuer avec. Avec bien sûr une petite mitraillette des familles. Voilà. C'est parfait. Puis après, on peut continuer avec un PPCH 41. Voilà, parfait. Et là, on va finir avec un petit fusil. Je sais pas comment il s'appelle, mais je vous le dirai un mot. Voilà. Et j'ai aussi un petit sac. Une bandoulière. Et bien sûr, une petite affiche. Voilà. Là, c'est fini pour l'emballage de tout ce qui est armes. Je vais montrer le concours super. Je sais pas si c'est un sticker. Présenté comme ça. C'est ça, c'est le Mecha Wars. Le 7ème Black Panther Cube. Voilà, c'est parfait. Voici, je crois que c'est les stickers. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un like. Salut, c'était Lego War 68. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et à partager, bien sûr.